Et salut tout le monde, et bienvenue dans le 15e épisode du Let's Play de Uncharted 3, l'illusion de Drake remastered sur PS4. Bon, après avoir pas trouvé d'eau, nous allons devoir continuer notre traversée du désert, alors je ne sais pas du tout dans quelle direction. On va dire que c'est par là, vu que la caméra s'est dirigée par là, Donc la prochaine fois, parce que je sens bien venir un prochain flash blanc, est-ce que ce sera pour lancer une cinématique ou une autre phase de jeu? Eh ben c'est toujours pour une autre phase de jeu. Mais pourquoi tu montes le ciel? On a compris qu'il faisait nuit. Il va faire moins chaud. Non mais le pire c'est que quand je mets la caméra comme ça avec le stick pour avancer, la caméra, voilà, dès que je lâche, ça se redirige tout seul vers le ciel. Mais je dois aller où? J'aurais dû être un marin. Vous avez vu, encore une fois, j'avais cru que c'était une cinématique qui démarrait. Je suis crevé. Non, je pense que c'est un mirage. Salut. Merci. Si jamais c'est le vrai. D'accord, on tient même plus debout. En même temps, faut reconnaître que le pauvre il a pas dû. Il a rien bu ni mangé depuis sûrement près de 48 heures. Je vais continuer. Quelle racine s'accroche. Donc tu m'étonnes qu'il est dans cet état, le pauvre. Quelles branches peuvent pousser dans ce tas de pierres? Et oh, quelle surprise, c'est un mirage! Fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner. C'est bon, on est revenu au puits. Tu ne connais que quelques images brisées. C'est le puits! Où le soleil tape et l'arbre mort ne protège pas. Tiens, c'est quoi ce truc? Lol, un trésor. Le puits ne soulage pas, et la pierre sèche ne se fait pas l'écho de. Une statue de femme en calcite. De l'eau. Ah, excuse-moi si j'ai coupé le dialogue. Bah, il y a toujours pas d'eau du coup. Merde. Bordel, Nate. Eh, plonge-y dans ce puits. Il y aura plus vite. C'est toujours du gameplay. Sauf que là, bon. Il n'y a d'ombre qu'en dessous de ce rocher rouge. Ah ben, j'essaie d'y aller. Viens donc à l'ombre de ce rocher rouge. Là, 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 là. C'est encore lent. Ben, je me souvenais qu'il y avait ce passage dans le désert, mais je me souvenais plus que c'était aussi long, quoi. Et tu verras quelque chose de différent. De ton ombre qui le matin se promène derrière toi, ou de ton ombre qui le soir surgit pour te retrouver. Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. Ah oui, au fait, pourquoi c'est Marlowe qui parle depuis tout à l'heure? Non, non, maintenant, à chaque fois, je bouge le stick pour regarder si mon personnage se déplace, et du coup... Non, mais depuis tout à l'heure, il y a des flashs blancs, des flashs noirs, enfin, des flashs. S'ils sont noirs, c'est plus vraiment des flashs, mais bon. Qu'à chaque fois, tu crois que c'est une cinématique qui va se lancer, bah non, 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 non. Alors, je fais gaffe, hein, depuis ce qui s'est passé la dernière fois. Ah oui, particularité des déserts. C'est qu'il fait extrêmement chaud le jour, mais il fait extrêmement froid la nuit.
Nate. Sully. Nate. Sully. Debout. Aide-moi. Viens, donne-moi la main. Je t'ai cherché. T'étais où? Je sais pas depuis quand je suis là. Je crois. Sully? Sully? Bon, ok. Je peux le faire. C'était un mirage. C'était un mirage très convaincant de celui-là. Mais je sais même pas dans quelle direction je dois aller. Sully? Sully? Ah! Une ville! J'arrive, Sully. J'y suis presque. Oh merci, le village. Ouais. Et vrai ou faux? Au point où on en est, je sens tellement la douille venir. Par contre, je peux toujours que marcher. Faites que ce soit pas un mirage. Ouais. Ah. C'est pas un virage, mais c'est un virage. C'est pas un mirage, mais c'est une ville abandonnée. Génial. Nouveau chapitre. Ouais. Allez debout. Bon, je vais voir. C'est pas un mirage. En fait, j'ai toujours. Mais j'ai même plus mon flingue. Comment ça se fait? J'avais un flingue sur moi, puis je l'ai perdu dans le désert. Oh, je veux bien ça. Un bouquetin, on a le battre. Alors. Bon, j'imagine que c'est... Je passe pas par là. Bah non. Je peux pas par là. Attention, on va falloir grimper quelque part. On va par là. Enfin, c'est vrai qu'on est en pleine forme pour faire de la grimpette. Hein. J'ai vu à droite. Une pièce. Une pièce du royaume de Cataban. Tout le monde connaît le célèbre royaume de Cataban. Mais j'ai comme la sensation qu'on va pas être seul très longtemps. Ouais, puis tu veux que je saute dans celui-là? Attends, je vais peut-être vérifier un petit peu autour s'il n'y a pas des... Visiblement, je vais pas avoir des masses le choix. Eh ben... Geronimo! Merde. Oh merde, il est à sec. Ouais, c'est le cas de le dire. En même temps, tu t'attendais à quoi? La ville est abandonnée. Comment tu veux que le... Ah, il y a quand même un petit fond. Écoute, je te propose du sirop typhon. Abandonne pas. Bon, je dois aller où maintenant? Bon, en fait, j'ai pas le choix de revenir. Sauf que ça a pas l'air de marcher. Faut peut-être grimper. Voilà. Putain, franchement, là, les bords sont quasiment de la même couleur que le reste du mur. Quand t'es plus haut, ça va, on voit mieux la différence. Moi, je me demande quand est-ce qu'il y a les ennemis qui vont débarquer, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans le coin. Je sais pas pourquoi.
Ouais, un petit trésor, un bracelet à fermoir antique. Mais putain, j'ai du mal avec la lecture, j'ai failli dire quantique. Vous imaginez? Un bracelet à fermeture quantique. Ouais. Rien que ça. Puis moi, j'observe mon environnement. C'est pas possible. C'est Drake. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il y aurait des gens? Il me faut une arme. En plus, ils ont pas l'air d'avoir de très bonnes intentions. Allez, approche, approche, que je te pique ton flingue. Ah, M9, je l'avais pas encore vu celle-là. Qu'est-ce que les âmes de Marlowe foutent là? J'ai appuyé sur le bouton pour mettre à couvert, mais il a décidé de faire une roulade à la place. Toi. D'accord. Oh, j'aurais pu lui envoyer la grenade plutôt que m'enfuir. Il est où? Merde. Renvoie. Allez, on va prendre ça. Si je tirais pas à côté, ce serait mieux. Ah. Une petite arme de pointe disponible serait cool. Il y a encore quelqu'un, j'ai entendu les voix. J'ai entendu quelqu'un parler. Je vous l'avais dit qu'on tomberait sur des ennemis, c'était sûr et certain. Bien. Bon, bon, ça là, je ramasse. On les a envoyés chercher l'avion. Bah ouais, ça me paraît logique. Là, j'aurais tellement cru qu'on pourrait s'accrocher genre sur les... Ces espèces d'encoches qu'il y a au-dessus là. Oh, là-bas. Ouais, il m'a vu. Lol. Hop, je renvoie. Mais l'ennui c'est que ça serait quand on renvoie la grenade, ça serait bien qu'on puisse les viser. Bon, évidemment, le plus simple ce serait que je m'approche, à moins que je puisse envoyer une grenade là-bas. L'ennui, c'est quand on veut envoyer loin, on est obligé de diriger la caméra en l'air, donc de viser quasiment à l'aveugle. Ça va péter. Hey, oh, je réussis bien mon truc quand même. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Tiens. Recharge. On peut aller jusqu'à combien de munitions là-dedans? Attendez, j'explore un peu. Bon, visiblement, il n'y a rien d'autre à ramasser. Rien de moins. Attends, c'est moi ou c'est cassé la gueule? Toi, tu vas me faire le plaisir de crever. Bon, je vais me mettre un peu à couvert histoire de pas mourir. Non, barre-toi, 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 barre-toi. C'est plus sûr.
celle-là, on renvoie. Ouais, je t'ai vu passer à côté de moi, toi. Regardez, il est là. D'accord, tu m'expliqueras pourquoi je tapais dans le vide. Alors, est-ce qu'il y a encore un ennemi? Eh, 154 hein, de munitions, là. Ouais, le fusil à pompe, mais bon. Attends, est-ce que ça... Ah ouais, c'est juste l'autre escalier. D'accodac. Alors, la suite est par là, si je me coince pas dans le décor. Non mais... Ah, attends, je t'ai vu, Une bague. Une alliance en agate. Si tu veux. Bon, apparemment on peut aller jusqu'à 160 maximum. Non, je peux pas monter sur ce bout de... Alors, par où je remonte? Ou genre je tirais volontairement là-dedans? En espérant que ça se ramasse la gueule et que ça me crée une... On dirait pas. Que dalle. Attends, j'ai quand même... Bah si, en fait. Eh bah si, c'est ce qu'il faut faire. Victoire. Sauf que je pensais que péter les planches en bois, ça suffirait. Par contre, niveau discrétion, bon, c'est pas ça. Hein. La preuve... Hop, 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 hop. Ça devient ridicule. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ridicule. Putain, j'aurais pu tellement faire ce tir-là avec le petit flingue. Bon, on verra ce que ça fait comme dégâts, ce truc. Putain, mais les trésors, on en trouve ici, hein. Alors. Oh, un sniper. Oui. Alors, j'en ai marre de ces connards. Non, non. Le but d'un sniper, c'est quand même de pouvoir l'utiliser pour être discret. Donc là, bah, c'est inutile. Oh, c'est lui! Alors, j'attends que ça se calme. Hop, dans la main! Mais c'est pas vrai! Oula, on se calme, Oh, non, mais où est passé mon autre arme? Je vais quand même pas être obligé de... Je vais être obligé de me le faire au sniper. Bon, je peux faire la grenade aussi, remarque. Hop, prends-toi ça.
Désolé, mais j'ai pas vraiment le choix. Bon, faut que je ramasse quelque chose, hein, là, parce que... Oh, il y a encore là, mais c'est pas possible. Non, 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 non. Hey, je me suis pris des dégâts, mais je l'ai tué. Oh, mais non, mais... Oh, non, mais putain, je suis pas d'accord, là. Évidemment, il faut que je me retrouve à un checkpoint avec des armes avec presque pas de munitions. Mais lol, je t'ai touché. Je vais encore me faire flinguer. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Tout simplement parce que j'ai décidé de me mettre au checkpoint avec des armes de merde. Enfin, c'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais... Débusquez-le. Hé ! Faites-le sortir ! Bah, ils sont pas tous morts. Hein. Non, je dégage la grenade. Oh, il veut pas que je la renvoie celle-là. Ah, parce qu'elle était de l'autre côté du pilier. Ok, j'ai rien dit. Merde. Mais je sais que vous allez dire, attends, mais tu tires dans son bouclier. Oui, mais... Il est mort. Ça va péter. Oh merde. Eh bien, le mec se bat à la grenade. Hein? Non, non, non. Il y en a encore. Il y en a encore un là-bas. Oh putain, évidemment, il a ça. Génial. Oh merde. Voilà, j'ai littéralement plus rien. Allez. Comment je vais faire avec lui? Ça y est. Alors, oh, elle lance roquette. Vas-y, sort. Non, mais c'est peut-être un petit peu excessif, mais c'est efficace. Ouais, je pense qu'après m'être fait flinguer trois fois, je pouvais bien me permettre une petite roquette pour tuer un homme. Putain, vous avez juste un choix d'armes ici. Ok, je suis... Bon, je crois que le maximum de ce petit flingue, ça doit être 100, alors ça ira. Et voilà. Bon. Ouais. On va dire que la suite c'est par là. Ouais, je suis désormais mieux armé. J'ai le réflexe de me mettre comme ça des fois que ça aurait été comme ça.
Pas de trésor. Bon, bah allez, on descend. Et n'oubliez pas d'attendre l'arrêt complet du manège avant de monter ou descendre. Ok. J'espère que c'est le dernier. Le dernier quoi? Oh putain! Oh merde! D'où est-ce que ça venait ça? D'où est-ce que ça venait? Je sais pas, de là-haut? Putain, j'aurais dû prendre le lance-grenade de l'autre. Ah bah j'ai une idée. Hey. Allez hop. Il y en a un autre là-bas. Putain, mais il est fortiche en cette grenade. Voilà. Il y a d'autres amateurs. Bon, mais où est l'arme qui... Ah, là. Ouais, je vous renvoie celle-là aussi. Cadeau. Bon, ça y est, il y a moyen. Ça me servira. Ça sert à quoi? Pour péter ça? Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais visiblement ça marche. Bon, où est-ce qu'il est le flingue que j'ai laissé pour ramasser ça? Je prends la grenade. Et puis bon, on va prendre le chemin qu'on a ouvert. Ah, un autre lance. Je vais le laisser là. Si jamais je vois un gros truc à péter, je vais aller le ramasser. Ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Le soleil ou l'ambiance? Bon, c'est deux choses différentes. Bon, finalement, si jamais je vois un gros truc à péter, je pourrais pas retourner chercher le... Oh, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Ouais. D'accord. Les snipers. Je retire ce que j'ai dit. Ils sont trop nombreux. C'est bon. C'est bon. Bon, là, il y a des hommes à cheval. Visiblement, c'est un ami. Américain ? Ouais. Je suis américain. Non, non, non. Non. Tu es pas. Non, tu es pas. Atala, Hatou, Chilou. Yalla, Talo. Et un petit tour à cheval. Est-ce que c'est utile que j'essaye de tuer des gens? Oh non! Non, non!
Ah oui, d'accord. Oh, faut que je foute le camp. Ouais, j'avoue. Eh, hey, une petite phase à cheval, c'est original. Youhou. Est-ce que je les suis? On va dire que oui. Parce que j'en ai aucune idée. Attends, j'en ai descendu aucun des deux. Ah, manière originale de se recharger. Tu es bien loin de chez toi. Shukran. Vous n'êtes pas les bienvenus. Aucun de vous. Il m'a sauvé. Pourquoi pas m'avoir tué comme les autres? Ça aurait été impoli. T'avais besoin d'aide. Même un ennemi mérite le gîte et le couvert. Es-tu mon ennemi, l'Américain? Drake. Mon nom est... Drake. Salim, shérif de cette tribu. Eh bien, sans vouloir te brusquer, Salim, je voudrais un cheval. Et j'ai rien à te donner en échange. Tu comptes attaquer la caravane anglaise seule? Tu les connais? Mes éclaireurs les ont suivis pendant 2 jours. Pourquoi tu es là? Que font les Anglais au Rubalcali? Ils cherchent la cité perdue d'Ubar. La cité des piliers. Ils ont mon ami en otage. Il est le seul à savoir. Une fois à Hiram, ils s'en débarrasseront. Facile. S'ils trouvent Hiram, on est tous morts. Il y a maintenant 3000 ans, le roi Salomon a invoqué la puissance des djinns. Des démons, nés d'un feu sans fumée, indociles. Il les a enfermés dans un vaisseau de cuivre qu'il a jeté au fond de la cité. Depuis, Hiram est maudite, hantée par les esprits tourmentés des djinns. Les Anglais ne doivent pas atteindre la cité. S'ils libèrent le pouvoir des djinns... On n'a pas beaucoup de temps, hein. Non. Mais ils sont nombreux, on ne peut pas les attaquer de front. Ce soir, repos. Demain, ils arrivent au canyon. À nous de jouer. Départ à l'aube. Ouais. Vers le convoi, viens avec moi. Je suis obligé de te suivre. Parce que le cheval galope tout seul, limite. Ah non, il s'arrête. Ah. Et tu... D'accord. Il s'arrête, mais quand le mec est loin, bah, le cheval il regalope tout seul. Oui, j'arrive. Non mais je vous assure que quand Sirby a galopé sur 10 mètres, j'avais touché à rien. Je vous assure. Salim, c'est encore loin. On y est prêt. Le convoi doit être devant. Le son est bizarre. Le son de la voix de Drake était très bizarre, comme si... Oui, je fais gaffe. Le convoi est juste en dessous. Oui, je les vois. Faut faire vite. Économise des balles. Ils sont trop loin. Hors de portée. En même temps, pour l'instant, faudrait mieux que j'évite de leur tirer dessus, sinon on se fait repérer. Idiot. C'est un raccourci. Reste avec moi.
Bon, vous me dites à quand je peux m'arrêter. Vite, on y est presque. Allez. C'est comment dire. Je pense qu'il serait peut-être temps de mettre fin à cet épisode, en vrai. Vite, je veux dire, je pourrais faire pause aussi, ce serait plus simple. Hey, grimpe sur les camions. Descends-moi ces mecs. Je suis de gauche. Et hop. Au revoir. Où il est le... Bah pourquoi il est sur... Pourquoi il est revenu sur son cheval? Bon écoutez, je pense comme je le disais qu'on va... On va rester là, vas-y, pars, moi je reste là. Hein. Donc écoutez, donc je vous laisse sur cet épisode. Donc prochain épisode, nous, nous allons nous occuper, nous charger de ce convoi. Ah, voilà, sûrement tuer quelques ennemis, détruire quelques camions, etc. Bref. Donc bah, je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao et à la prochaine. Salut.